Bonjour internaute, aujourd'hui je suis au fin fond de l'Ontario dans le parc Algonquin et comme tu vois je suis venu camper, il y a ma tente qui est juste derrière. Je vais te faire découvrir notre camp de base. Alors regarde, là devant t'as la tente, donc c'est encore une vidéo à 360, donc n'hésite pas à bouger un peu partout pour découvrir le décor. En face de moi c'est mon pote Mac qui est guide, qui nous a emmené ici. Donc comme tu peux voir il y a le canoë, il y a tout ce qu'il y a à manger ici, il y a notre feu de camp. Là on a fait tous les repas et regarde-moi cette magnifique vue sur le lac. C'est le lac Craig, quelque chose comme ça. Assez incroyable, on est venu découvrir tout ça. Et en fait, on est venu en canoë. Et là, bah, le canoë que tu vois qui est sur la plage, juste là, voilà. Et on va aller le reprendre pour aller repartir sur le lac et repartir au camp de base. Mais regarde juste le spot dans lequel on était pour camper, c'est juste incroyable. Donc on était là pour dîner, on a dormi juste là, avec le lac juste pour nous, les étoiles hier soir, c'était assez fantastique. Et là, on va repartir pour continuer l'aventure. Et nous voilà sur le canoë avec mon pote Mac qui est juste là, mon pote Joe qui est en train de pagayer. Alors je suis désolé Joe, je ne peux pas pagayer en même temps que je filme. J'espère que tu m'en voudras pas. Et j'espère que tu peux apprécier le décor. Donc là c'est une petite île qui est juste à côté de nous. En plus il y a des petites herbes flottantes, il fait beau. Et notre pote Mac qui nous suit qui est juste là. Je te laisse apprécier le décor, tourne ton téléphone. Et puis je vais essayer de me taire 2 secondes pour que tu apprécies aussi le calme de la nature. Voilà. Là je peux te dire qu'on est bien. Le canoë, c'est pas pourquoi. Ça relaxe, ça détend, ça fait du bien. Et en plus ce matin on a eu la chance de voir des élans. C'était juste magnifique, on s'est levé aux aurores. Tu verras la vidéo un peu plus tard. Je voulais que tu vois un peu à quoi ça ressemble une fois qu'on était sur l'eau. On arrive au milieu du lac. Je laisse regarder quand même, c'est du sacré lac. On était tout là-bas tout à l'heure. Et l'air de rien, le canoë, quand tu pagayes, bon, à deux, hein, parce que là, évidemment, tout seul, ça va moins vite. Et ben, tu fais des sacrées distances en pas beaucoup de temps. Le pauvre mec, il en chie un petit peu à nous suivre, vu qu'il est tout seul, le pauvre. Ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on a croisé quasiment personne toute la journée. On a croisé 2-3 personnes. Donc, t'as tout cet espace pour toi quand tu viens ici, c'est assez dingue. Vraiment, c'est magique. Alors, le portage. Pour porter le canoë, mon pote Mac il va te montrer, regarde bien comment ça se passe, tu peux le regarder. Alors, allez, vas-y. Allez, vas-y Mac, donne tout ce que t'as. Allez. Oh là là, magnifique. Et maintenant il va traverser la forêt comme ça. Alors je l'ai fait. Hein. Je sais que là je suis encore en train de filmer, on croit que je fais rien. Mais je l'ai fait. Regarde celui-là, regarde comme il est beau là. Tu peux tourner ton portable, on va le suivre. On va le suivre un petit peu dans la forêt pour que tu vois comment ça se passe. Bon, tu vois quand même que le mec est bon et qu'il a de l'expérience. Hein. En fait, au milieu du canoë, tu as une barre que tu peux poser sur les épaules. Et ensuite, tu tiens devant pour pas que ça bascule. Et après, tu marches. Comme un bourricot. Bon, évidemment, pendant qu'on marche, profites-en pour tourner ton portable. Voir un petit peu le lieu, comme il est très joli. On est en plein milieu de la forêt. Et l'avantage, ce qui est génial, c'est que on arrive juste après dans un lac, au bout de 1 ou 2 minutes de marche. L'autre lac est derrière. On arrive sur le deuxième lac. On va poser. Allez. Oh là là, quelle technique! Il est magique. Et on va rembarquer pour aller jusqu'au troisième lac ensuite. On est rentré au camp de base de Voyager Quest. Et comme tu vois, le petit cottage est très mignon. On a une vue directe sur le lac. Et en plus, qui nous attend ce soir. Alors, je sais pas si tu peux voir tout là-haut, à gauche. Ça, c'est une petite cabane flottante. Et c'est pas une cabane comme les autres. Puisque après une grosse session canoë comme ça, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a envie, internaute? Eh ben, on a envie d'un sauna flottant. Et oui, la petite baraque que tu vois là-bas, c'est un sauna flottant. Sur cette vue magnifique sur le lac. On est au bord du lac. Il y a d'autres petites maisons aussi là-bas. En tout cas, écoute, ça c'était un premier aperçu du parc Algonquin qu'on a découvert en canoë. L'idée, c'était de te montrer un petit peu à quoi ça ressemble à 360 degrés. Et puis après, tu verras le reste dans la grande vidéo. Allez, je te dis ciao, internaute. Et puis, suis l'aventure, hein, elle n'est pas terminée en Ontario.